Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec un nouveau jeu sur NES qui est Ghostbusters 2. Ouais, bon, en fait ce jeu c'est l'un des premiers New Ghostbusters 2. C'est un jeu que j'avais joué, c'est l'un des premiers jeux en fait que j'ai joué, ouais, sur NES. Et là, je me rappelle de bons souvenirs. J'avais bien aimé, me semble. Mais bon, on va tester ça ben, maintenant. Hein. Ah là là. Bon, je peux jouer avec ça, mais franchement, j'ai pas envie. Hein. Donc, on va jouer avec ça normal. Allez, let's go! Il y en a un en bas là, donc soit ça veut dire qu'il est spécial ou soit ça veut dire qu'il est pourri en fait. Je sais pas. Bon, on va prendre Louis en premier. Et en deuxième, il a la gueule verte lui en fait. C'est ça qui est bizarre. Lui c'est Rambo. Ouais, lui hein. Allez. Yeah! Ok, d'accord, B c'est lui, et A, d'accord, ok, j'ai compris. Il me semble, si je me rappelle bien, que le joueur 2, on peut le contrôler avec une deuxième manette. Mais, je m'en rappelle plus. Arrête de courir! Ah là là. Oui. Non. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Des petits chewing-gums. Et le chewing-gum à la fin. Et elle disparaît. Ouais. Ou alors plutôt elle s'est transformée en flèche. Ah là là. La NES. Viens ici toi. Un fantôme avec une tronçonneuse. Ils sont bizarres hein, ces fantômes verts, hein, c'est pas ce que c'est. Allez. Bon, faut aller là-bas. La gueule du fantôme. Je préfère pas savoir ce qu'ils ont voulu représenter. Hein. Ah, c'est bien ça de revenir au début. Et pète les plombs là. Où il va? Où il va? Où il va? Putain. Reviens ici. Je voulais partir, il a eu peur, il a fait ah oh, j'ai peur, je me casse. Viens en bas des tabourets. Comment je fais? Ah, d'accord. Les bruits qui te mettent. Non. Ouais, ça va. Par contre, le type derrière moi, là, lui, là. Lui, apparemment, il meurt pas. Lui, il se fait toucher, mais... Il balance des bouts de poulet, Fada. Enfin, je crois que c'est ça. Ouais, je sais pas. La musique. Allez. Il est con. Ça me fait rappeler un truc. Je crois que je... Ah, ça me dégueuler.
que lui là derrière là avec le bouton B là. Je faisais ça des fois pour c'est n'importe quoi. Ou alors je la fermais quelque part. Oui. Allez. Qu'est-ce que tu fais là? Tic. Et alors? Ah, d'accord. Round 1 clear. Top. Ouais. Ok, maintenant on est dans quoi d'ailleurs? Un métro, une mine. D'ailleurs, je viens de voir les rails en fait. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Oui, il passe à travers. Pourtant l'écran c'est dans le matin, mais bon, on voit un peu à travers, désolé. Hein. Et le jeu est sombre aussi, on voit rien. Moi. Où il va, où il va? Oh! Non, franchement ça va, c'est pas mal. Mais bon, c'est un peu saoulant, hein, toujours pareil. J'aurais bien voulu des petits power-up ou des trucs comme ça, ça aurait été pas mal. Mais là... Après, il a des lunettes, mais il a des yeux blancs. C'est un zombie. Ouais. Ça va vite me saouler, ça. Mais bon, j'aime bien quand même. Mais bon, c'est saoulant, hein. C'est... Alors qu'il se crève tout seul. Un fantôme qui meurt tout seul d'un accident de... putain. Qu'est-ce qu'il fait là? Allez, viens. Ouais, une vis, certainement. Faut aller où là? C'est ça pour ça, ouais. Il me semble, hein, mais ouais, je suis quasiment sûr et certain, hein, que là, le boss de ce niveau, c'est un train fantôme, ou je sais plus ce que c'est là. Je me rappelle, j'avais bien aimé à l'époque, je trouvais ça beau, quoi. Je me disais, wow, ici. Je suis mort, obligé. On revient où? On revient là-haut. Quelle arnaque. Ah lui meurt... Ah ben voilà, tu fais ça. Ah, il meurt tout seul comme ça alors. Allez, tout à l'heure c'était pareil. Où il va, où il va? Oh là là! C'était pas au début ça? Ouais, apparemment ce jeu c'est une boucle. Je sais pas où... Je sais pas. Mais bon. Un laser, un chewing-gum. Un chewing-gum électrique. Au moins, est-ce que ce ne soit pas un chewing-gum électrique? Allez! Où est le train magique? Avec des têtes de mort, des têtes de punk en crâne. Oh, bon, ça fait peur. Hein.
C'est mais quand on... Non, j'ai vu. Ouais. C'est quoi ça? C'est rien en fait. Je sais pas. Non, c'est rien. Il a le boss. Mais... Oh. Bon, j'ai fait plein de fois. Et ouais, j'ai appuyé, mais au bout de 2 secondes, on dirait qu'il s'échappait, on va dire. Il arrivait à se libérer de ce rayon électrique. Alors j'ai appuyé plein de fois. Apparemment, ça a marché. Le score pareil que tout à l'heure, je sais pas. D'accord. En fait, c'est pas Ghostbuster, c'est Chewing Gum Buster, non? Ou flageolé. Bon, ça m'a saoulé, hein. Donc bon, on va arrêter ça. Ghostbuster. Ouais. Non, ben ça va, franchement, ça va, ça va. Bon, c'est un peu saoulant, c'est vrai que je m'en rappelle plus que c'était autant saoulant, quoi. Toujours pareil, pareil, y'a pas de power-up, y'a rien, tu gagnes rien. Ouais, en fait, c'est pas que c'est saoulant, en fait, c'est que... T'ennuies, tu comme ça, y'a rien à découvrir. Je... Mais bon, pour de la NES, franchement, la musique, moi j'aime bien. Graphiquement, bon. C'est de la NES, hein. Soyez dans la gueule, c'est cool. Ouais. C'est vrai que le mec, on dirait Guy Bendom. Peut-être, hein. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et pour répondre à la question que j'avais posée il y a 20 jours, sur savoir l'intro, comment le faire, etc. Finalement, je laisse tout comme c'est, avec rouge, avec musique d'Alex Kidd, voilà. Je laisse, et c'est bien. Donc ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à dans 20 jours pour un autre test. Allez, ciao.